C'est encore. Je fais la route, sur ma route, oui. Je ne compte plus les soucis, je dois devenir fou, oui. Je fais la route. Si tu ne fêtes pas ton anniversaire, viens à l'anniversaire. Nous fêtons les non-anniversaires de tout le monde. Alors si tu n'as pas d'anniversaire, viens fêter l'anniversaire. Car c'est la fête des non-anniversaires. Ils sont déjà deux. Et ça va augmenter, vous allez voir. Elle a trois, Maxime a rejoint la bande. Et là, c'est énorme. Reposez-vous bien, que vous soyez en famille ou en séjour. Voilà, peu importe, reposez-vous bien parce que 2023... il y aura beaucoup de travail, voilà. Je remercie également les éducateurs, hein. Les éducateurs de l'accueil de jour, des lieux de vie, parce qu'on est ensemble, hein, c'est un même service. Donc voilà, bon repos à tous et on se revoit en 2023. Voilà, merci. Ensemble pour la belle aventure dans de nouveaux locaux, dans une nouvelle année, on est là pour vous soutenir et on vous souhaite tout le bonheur. Bonsoir les jeunes et bonsoir l'équipe. Bah écoutez, cette soirée vient clôturer une belle année 2022 en espérant que l'année 2023 sera encore belle et plein de bons rebondissements. En tout cas, je l'espère. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye! L'année 2022 s'achève avec de bons projets et un réel investissement des éducateurs et des jeunes. Merci pour tout et le meilleur reste à venir. Bonjour à tous, une petite vidéo pour tous vous remercier, les jeunes ainsi que les professionnels, pour cette année. Une bonne année à tous et une bonne fête. Bonne année à tous et merci à mes équipes. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête d'année à tout le monde. On est ensemble. Bonsoir à tous. Je souhaite une très bonne fête de fin d'année à tout le monde et j'espère que cette nouvelle année sera très bonne pour tous les jeunes du Silence des Justes. A plus tard. 3. Bonne année, restez en bonne santé. Bonne année. Bisous, bisous. On vous aime tellement trop. Nos loulous à nous. Et bonne fête à vous. Bonne fête à tout le monde. Alors, je tenais à remercier l'ensemble des professionnels qui composent le service adolescent. Je remercie aussi les jeunes pour tous les efforts qu'ils ont pu faire cette année. Malgré les difficultés, ils arrivent toujours à se relever. Donc voilà, les jeunes, vous êtes vraiment un exemple pour nous tous. L'année 2022 a été une année pas toujours facile, avec beaucoup d'événements. Mais je retiens que le positif. Ça a été quand même une belle année, avec beaucoup d'objectifs atteints, une réelle réussite. Et je profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Et en espérant qu'elle soit encore mieux que la précédente. Merci à tout le service professionnel qui encadre ce groupe d'ados qui grandit. Et franchement, c'est très beau à voir. Ce qui est super, c'est les progrès que je réalise pas, que je n'aurais jamais réalisé. C'est vraiment, c'est bon. Et là, ce qui vous attend en 2023, bah écoutez, j'ai des frissons parce que je sais que les locaux, les nouveaux locaux et les projets surtout. Mais je voudrais parler aussi au niveau des personnes. Les projets, c'est les personnes. Et c'est vous, les projets. Vous êtes une équipe qui gagne et vous gagnerez toujours.
Et je suis fier de vous. Merci. Bonne année.